Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo très spéciale les potos parce que aujourd'hui cette vidéo sortira à minuit et aujourd'hui les potos c'est l'anniversaire de Johnny34 les frères, voilà, vous savez tout. Alors cette vidéo c'est un petit peu un hommage à notre amitié qui s'est créée il y a pas mal de temps. Donc voilà, je vais un peu expliquer un petit peu l'histoire vite fait. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que le gameplay que vous allez voir, c'est un gameplay de moi et Johnny en mode Thanos. Alors vous allez sûrement le remarquer, on a entre guillemets triché. Parce qu'on a fait alliance dans le mode temporaire de Thanos. Donc on s'est rejoint dans la même partie, on a réussi à se rejoindre dans la même partie. Même si c'était pas très difficile, on a lancé juste en même temps, il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait. Et on est tombé, en même temps il était 4h du matin, et on est tombé en même temps. Alors de ce fait, on s'est dit, vas-y, on va tester un peu ensemble et tout. Et franchement, c'était trop jouissif le poteau. Donc c'est des choses qu'on ne fait jamais dans les modes normaux, on ne fait jamais parce que franchement, c'est pas glorieux. Mais dans le mode Thanos, c'est assez jouissif parce que voilà, ton collègue il est avec toi, toi t'es le Thanos ou l'inverse. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, si vous le faites, faites-le avec modération. Faites-le genre une fois ou deux, comme nous on l'a fait une fois ou deux. Mais ne le faites pas plus de fois parce que, voilà, vous allez vous faire signaler, bannir et je pense que ça va vous faire le seum. Parce que nous, quand il y a une personne qu'on tuait et puis qu'elle nous regardait, on essayait de faire en sorte de pas du tout se voir. Et on se tirait même dessus si on devait le faire, quoi. Mais il y a des petits gens, quand vous allez voir plus tard dans la game, quand on est Thanos et qu'on dorme ensemble, il y a un petit mec qui se cache dans un buisson et il a théma toute notre amitié, quoi, tu vois. Donc après, soit il nous a signalé, ou soit il s'est peut-être dit, ouais, peut-être que c'est un Bambi avec un autre, mais bon, je pense plus qu'il nous a signalé, donc voilà, c'est des risques. Voilà, c'était juste pour vous parler un peu du gameplay, maintenant je vais plus trop en parler. Là, je vais vraiment parler de l'amitié que j'ai avec Johnny, et en fait, je fais cette vidéo en hommage à lui, parce que c'est son anniversaire, et que je me suis dit, j'aimerais bien lui faire un cadeau. Et le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est lui faire une vidéo de reconnaissance, de ma reconnaissance envers lui et envers tout ce qu'il a fait pour ma chaîne YouTube et pour moi-même, bien sûr. Donc voilà, alors Johnny34, je pense qu'il va avoir 22 ans si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un de mes meilleurs potes en ligne, mais voilà, j'hésite sur son âge, donc désolé Johnny si je me trompe. Donc je pense qu'il va avoir 22 ans et il a une chaîne YouTube aussi qui compte 1200 abonnés. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, tout simplement parce que il est sur YouTube et c'est son anniversaire, donc ça lui ferait un beau petit cadeau d'anniversaire si vous vous abonnez. Après, rien n'est obligatoire, il fait des vidéos sur Fortnite, sur Call of Duty. Bon, il en fait pas énormément, mais il fait vraiment des bons gameplays, des trucs un peu what the fuck et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne et de s'abonner à sa chaîne pour le supporter. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur Johnny, c'est que il est arrivé il y a peut-être un an et demi, deux ans, en grand max quoi, vraiment grand max, deux ans. Et depuis qu'il est là, on s'est rencontrés sur Call of Duty W quand on faisait un jeu de camouflage en mode multi. Donc j'étais en live et il a demandé pour participer, pour venir jouer avec moi quoi, dans la même partie. Et on s'est super bien éclaté parce que déjà le mode camouflage du multi de Call of Duty est vraiment bien. Moi, c'est un mode que j'ai toujours kiffé. Mais avec lui, c'est encore plus kiffant. Et depuis, on s'est ajouté nos PSN, on a parlé. Et puis, on est vraiment devenu très très proche parce que c'est une personne qui me ressemble énormément. Elle est vraiment très très cool. C'est une personne très très cool qui ne se prend surtout pas la tête. Beaucoup de personnes se prennent la tête pour rien, pour un mot de travers ou pour un désaccord et tout. Franchement, nous, on n'a pas vraiment ce problème. Et, pourtant, on a vu des personnes avec nous. Je ne vais pas citer de nom parce que voilà, c'est pas le sujet de la conversation. Mais il y a des personnes qui se sont pris la tête entre eux parce que voilà, ils ont un petit peu caractère un peu plus moins relax. Et franchement, Johnny, il me ressemble de ouf parce qu'on essaye vraiment de se prendre la tête un minimum. Et je pense même qu'en deux ans, on ne s'est pas pris la tête entre lui et moi. Franchement, je ne me souviens pas du tout, mais je pense réellement, c'est même hallucinant, on ne s'est pas pris la tête en deux ans. Donc franchement, je tiens vraiment à te le remercier, Johnny34, parce que t'es vraiment un type en or.
J'ai vraiment rencontré une personne qui me ressemble aussi, donc je dis pas, c'est pas pour me la vanter, mais je pense réellement être une personne en or. Tous mes amis dans la vie réelle me le disent, je suis vraiment une personne qui soutient à mort les gens. Quand je t'aime pas, mais je vais pas te faire des coups de chemette, hein, je vais te laisser tomber, mais je t'aiderai jamais. Mais quand je t'aime bien, tu peux compter sur moi et je suis toujours sympa, voilà, je cherche pas la merde, etc. Donc voilà, Johnny, c'est à peu près pareil, et franchement, c'est trop jouissif de rencontrer une personne qui vous ressemble, en fait, tout simplement. Donc, moi, c'est pas moi qui ai été vers Johnny, c'est Johnny qui a été vers moi, et j'en suis énormément satisfait, et je suis vraiment heureux que tu aies fait le pas vers moi, parce que bah, d'autres personnes ne l'auraient pas fait. Et toi, tu l'as fait, donc t'as pris tes couilles, t'es venu me parler et tout, et franchement, c'était super cool, et depuis, on est quasi inséparables. Donc il faut savoir aussi que parfois, à un moment, une période de ma vie, eh ben, on se réveillait mutuellement, quoi. On était un peu nos réveils et tout. Enfin, lui, il me réveillait. Et ben moi, je le réveillais aussi parce qu'on se faisait des conversations tous les matins. Genre, on se réveillait à midi et on se tenait en conversation pendant une heure, deux heures. Maintenant, c'est Audrey qui a pris un peu la relève. Audrey Marley, si vous connaissez pas, ben, je la mettrai en description aussi. Hein. C'est une fille très très chouette, hein, mais voilà, c'est pas ta vidéo, Audrey, mais c'est une vidéo, c'est une fille très 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 chouette qui est en notre compagnie aussi et qui ne se prend pas la tête. Bon, elle a un petit peu un côté caractère, un gros caractère de merde là, parfois, mais sinon ça va, elle est vraiment bien. Et il y a notre ami Trashdead, hein, comme je parle d'Audrey, je vais parler de Trashdead. Trashdead aussi a un caractère bien trempé, mais voilà, il est au top aussi. Donovan et tout ça, franchement, voilà, je vais pas parler de tout le monde dans la vidéo parce que c'est une vidéo spéciale. Pour Johnny, mais vous tracassez pas, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans ma tête et je ne vous oublierai jamais. Alors, il faut savoir aussi que si Johnny, je m'entends super bien avec, eh ben, ça a avantagé énormément ma chaîne parce qu'en fait, bah, tout simplement, il m'a soutenu dans tout ce que j'ai fait et à chaque fois que j'ai besoin d'un petit truc, d'un petit aide, genre au début, c'était surtout pour les glitches parce que bah, voilà, je recommençais 50 fois la vidéo glitch parce que j'étais en solo. Je voulais pas trop demander aux abonnés et tout ça, enfin parfois je le faisais, mais voilà, après Johnny est arrivé et je lui ai demandé tout le temps, il m'a tout le temps aidé pour les glitches, et puis après il m'a aidé pour les tutos, pour tout après, pour l'actualité, que Trashdead aussi est une grosse source d'actualité, Audrey aussi est une grosse source d'aide, etc. Donc même Dono, hein, il m'a aidé énormément aussi, donc voilà, oui, c'est toutes des personnes qui m'ont vraiment aidé, mais bien sûr, bah, Johnny est la personne numéro 1 dans mon cœur, hein, question amie. Bon, avant, j'avais Bahamut, hein, je t'oublie pas, hein, Bahamut, t'es toujours dans mon cœur, c'est sûr. Mais pour l'instant, ben voilà, t'as une vie plus active, hein, t'as pas le temps de jouer. Et moi, ben justement, je fais que jouer. Donc voilà, on s'est un peu séparés à cause de ça. Mais voilà, je t'oublierai jamais. J'ai passé toute ma vie sur PS3 avec toi et c'était vraiment chouette. Et que des bons souvenirs, quoi. Bon, après, Bahamut, on s'est déjà pris la tête, toi-même, tu sais, mais c'était cool. Voilà, sans rancune, hein. Mais voilà, alors il faut que vous vraiment que vous sachiez que Johnny, si Johnny ne serait pas là, je ne saurais pas faire autant de contenu, par exemple surtout sur Call of Duty, sur Fortnite, c'est très facile de faire des vidéos parce que tout simplement, bah voilà, tu le fais en solo, tu reprends des gameplays, c'est des commentaires et tout ça, il n'y a pas vraiment de difficultés, c'est juste des actualités, des news, je dois pas faire un truc de ouf, de difficulté de ouf, qui est très difficile à faire en solo. Voilà, toutes les vidéos que je sors sur Fortnite sont assez faciles à faire et c'est pour ça que je peux en sortir énormément et c'est pour ça que j'ai la force d'en faire énormément. Parce que quand tu fais des tutos sur Call of Duty ou que tu fais des glitches sur Call of Duty, c'est totalement différent. Bon, après, c'est sûr qu'il y a certaines vidéos qui sont assez faciles à réaliser. Mais c'est quand même difficile de réaliser tout un tuto de secret, de faire le secret en solo. Non, c'est pas possible. Donc franchement, ce qui est bien, c'est que Johnny, toute ma team, hein, Audrey, Trash et tout le monde, hein, m'aide réellement à faire mes tutos et tout ça. Parce que bon, en fait, moi, je fais des tutos pendant qu'eux, ils continuent le live découverte. Donc, ils continuent à découvrir. Puis ils vont pas faire les chemettes et me dire « Ah ouais, non, on a découvert un truc, ouais, on le dit pas, sois cool, comme ça, il aura qu'à le trouver tout seul. » Non, 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 ils me disent directement tout. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que certaines personnes n'ont pas avec d'autres. C'est que, ben voilà, il n'y a pas vraiment de jalousie entre nous. Et on est tous là pour un seul et même objectif, c'est que ma propre chaîne buzz. Et ça, franchement, les potos, je vous en remercierai jamais assez parce que vous n'avez pas énormément d'intérêt à le faire, tu vois. Vous pouvez ne pas le faire du tout. Mais vous êtes tous là à m'aider pour que ma chaîne buzz. Et vous tracassez pas que si jamais je buzz, je vous rendrai l'appareil, bien sûr. Vous savez bien que je suis pas un chemetta.
Donc voilà, alors je tiens encore à faire une grosse dédicace à Johnny34 parce que grâce à toi, ben je m'épanouis de plus en plus sur YouTube et grâce bien sûr à mes autres potes. Ne vous sentez pas exclu, c'est juste que c'est une vidéo spéciale pour Johnny, mais de toute façon je vous ai parlé. Enfin, voilà, je vous ai lâché quelques mots pendant la vidéo, donc un petit clin d'œil à vous tous. Hein. Mais franchement, une grosse dédicace à Johnny34. J'espère que cette vidéo ben, te plaira parce que franchement c'est extrêmement... c'est uniquement pour toi, on va dire, que je la fais. C'est pas pour les vues, je m'en bats les couilles. C'est vraiment pour toi, pour te rendre hommage et pour expliquer un peu notre histoire aux yeux des abonnés, pour qu'ils sachent un peu plus que voilà, on est plus que des amis, franchement. Et ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir rencontré. Je suis super heureux de t'avoir rencontré. J'espère que notre aventure ne s'arrêtera jamais, ne s'arrêtera pas là, qu'on ira loin, qu'on habitera carrément ensemble plus tard quand on aura de la thune, que moi, je déménagerai chez toi avec ma petite femme et tout. Quand j'aurai percé, vous tracassez pas, j'irai dans le sud de la France, je les rejoindrai. On se rejoindra tous et franchement, je nous souhaite que du bonheur. Et voilà, donc je te souhaite un bon anniversaire. Profite bien de cette soirée, de cette journée. Je vais te le dire encore en live, la vidéo sortira sans que tu ne le saches rien. Je ne le dirai même pas. Peut-être je te dirai si je ne le remarque pas après une heure ou deux. Mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir fait cette vidéo. Moi je t'aime, franchement poteau, je t'aime vraiment fort. Je vous aime tous les poteaux. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et on se capte ce soir lors de ton anniversaire. On va faire du Fortnite mon pote. Bon allez, ciao ciao les poteaux. Restez comme vous êtes, je vous kiffe. Et ciao, peace.